Bonjour les enfants, je m'appelle Joseph et c'est ensemble que nous allons passer ces quelques moments dans la présence du Seigneur Jésus. Alors, est-ce que vous êtes prêts à démarrer ces moments? Oui, prêts? Très bien, c'est parti! Comme je disais tout à l'heure, bienvenue au culte des 8 ans 9 ans. Je m'appelle Joseph et c'est ensemble que nous allons passer ces moments. Alors mes amis, comment est-ce que vous allez? Avez-vous passé une bonne semaine? Et ce matin, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es en pleine forme, content, ou est-ce que tu es un peu triste ce matin, ou un peu en colère, ou fatigué, ou simplement tu ne sais pas? Eh bien moi, les enfants de mon côté, je suis en bonne santé et ce matin, je suis content d'être avec vous. Et si je suis heureux, c'est pas parce que ma semaine s'est hyper bien passée, que j'ai eu tout ce que je voulais. Non, pas du tout. En fait, si je suis heureux, c'est parce que Dieu, il me garde, qu'il me donne la vie et que je n'ai manqué de rien pendant ces derniers jours. Et même pour toi à la maison, même si tout ne s'est pas passé comme tu aurais voulu, tu as quand même des raisons d'être content et de remercier le Seigneur, n'est-ce pas? Est-ce que tu aurais des exemples à me donner? Oui, tu as raison. Tu peux être reconnaissant à Dieu parce que tu es en bonne santé. Tu as de beaux yeux, tu as de beaux cheveux, tu n'as rien manqué pendant cette semaine, tu as eu à manger. Oui, on peut dire merci à Dieu pour cela. Alors, si vous êtes d'accord, on va dire ensemble de tout notre cœur. Merci Jésus pour toutes ces bonnes choses que tu nous donnes chaque jour. Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais ensemble qu'on parle d'un sujet très intéressant et je vais vous le faire deviner grâce au rébus suivant. Allez, à vous de me deviner le sujet du jour grâce à ce rébus. Donc, pour chaque image, vous allez me trouver une syllabe et la syllabe, les syllabes plutôt, bout à bout, vont nous donner un mot. Alors, est-ce que vous trouvez? J'ai l'impression qu'il y en a à la maison qui l'ont trouvé, si j'ai bien entendu. Allez, on vérifie ensemble. Donc, le premier mot, plutôt la première syllabe, c'était cou. C'était le cou de la girafe. La deuxième image nous montre un rat. Et la troisième image, ce sont des jeux. C'est ça, courageux. Le sujet dont nous allons parler aujourd'hui, c'est du courage. Alors, mes amis, félicitations si vous avez trouvé le mot courage. Et maintenant, j'ai une autre question pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire le courage? Quelqu'un qui est courageux, comment est-il? Pour vous aider, je vais vous montrer trois vidéos, trois situations de personnes. Vous allez me dire si ces personnes sont courageuses d'après vous. Allez, commençons par le premier cas. Comment vous trouvez ce monsieur? Il est courageux? Oui, vous avez raison. Il est courageux parce qu'il faut du courage pour jouer avec des animaux féroces comme le lion. Allez. Une autre vidéo. Et cette dame qui marche sur un bout de corde, qui marche sur une corde dans le vide. Et oui, il faut du courage pour surmonter le vertige et la peur de tomber dans le vide. Vous avez raison, cette dame, elle est courageuse. Et ce jeune homme, avec ses cinq cailloux et sa fronde devant le géant. Qu'est-ce que vous pensez de lui? Est-il courageux? Eh oui, bien sûr qu'il est courageux, parce qu'il faut du courage pour aller tout seul affronter un aussi grand géant, un aussi grand soldat comme Goliath. Oui, les enfants, ces trois exemples montrent des personnes courageuses. Vous l'avez compris, être courageux, c'est braver sa peur, surmonter sa peur, vaincre sa peur et réussir à faire face à quelque chose de difficile, quelque chose d'effrayant.
Être courageux, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur du tout, qu'on ne ressent rien. Non, pas du tout. En réalité, on peut avoir peur, mais le courage, c'est la force qui nous donne de pouvoir surmonter notre peur et affronter les difficultés. Ce sont des exemples un peu extrêmes que je vous ai montrés tout à l'heure. Le monsieur avec le lion, la dame dans le vide ou encore David. Mais vous savez les enfants, le courage, ce n'est pas seulement quand on se retrouve dans des situations risquées comme celle-là. Être courageux, c'est aussi par exemple dire la vérité au lieu d'un mensonge. Quand j'ai fait une bêtise et que j'ai peur d'être grondé ou d'être puni, être courageux, c'est affronter ma peur et dire la vérité, dire que c'est moi qui ai fait cette bêtise et demander pardon pour cela. Être courageux, eh bien, c'est aussi ne pas avoir honte ou même ne pas avoir peur de dire que je suis chrétien et que j'aime Jésus, même quand mes copains autour de moi, ils n'aiment pas Jésus et qu'ils se moquent des chrétiens. Ça aussi, c'est du courage. Mais est-ce que c'est facile ça? Est-ce que c'est facile de dire qu'on est chrétien quand les gens ils se moquent des chrétiens? Non, c'est pas facile les amis d'être courageux. Souvent, la peur, elle est bien plus forte que le courage dans notre cœur. Je ne sais pas pour vous, mais même moi qui suis plus grand que vous, c'est parfois difficile de faire preuve de courage et pourtant j'aimerais être courageux. Donc, comment faire pour être courageux face aux difficultés et vaincre ce qui nous fait peur? Je vous propose pour cela qu'on ouvre la Bible. Oui, qu'on ouvre la Bible, la parole de Dieu. J'espère que vous avez tous vos Bibles. Si ce n'est pas le cas, tu peux demander à papa ou à maman de mettre pause sur la vidéo et tu files récupérer ta Bible et tu nous rejoins pour qu'ensemble on puisse continuer et découvrir ce que Dieu dit sur le courage. Alors, c'est bon? On peut continuer? Très bien. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament et dans le premier livre du Nouveau Testament. Est-ce que tu sais c'est quoi le premier livre du Nouveau Testament? Et bravo! Bien trouvé! C'est Matthieu. Donc nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu au chapitre 26 et notre histoire, elle commence à partir du verset 36 jusqu'au verset 56. Gardez vos Bibles bien ouvertes devant vous. On va regarder une histoire ensemble et juste après, vous allez répondre à quelques questions. Pour répondre à ces questions, il faut avoir bien suivi l'histoire. Donc soyez hyper concentrés. Et écoutez bien l'histoire qui va suivre. Jésus a passé une partie de la nuit avec ses disciples à l'extérieur, dans un jardin qui s'appelle le jardin de Gethsémané. Judas n'était pas avec eux ce soir-là. Il arriva à un moment de la nuit, mais il n'était pas seul. Il y avait avec Judas une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons. Ils étaient venus arrêtez Jésus. Judas s'approcha de Jésus et lui fit un baiser. C'était en fait un signe que Judas avait donné à ceux qui étaient avec lui. Afin de reconnaître Jésus parmi les autres disciples dans la nuit et ainsi pouvoir l'arrêter. Jésus répondit à Judas. Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Oui, Jésus savait ce qui se passait et il était prêt. Les gens qui étaient avec Judas se sont donc approchés de Jésus pour le faire prisonnier. Et à ce moment-là, l'un des disciples de Jésus prit son épée pour défendre Jésus. Jésus lui ordonna sur le champ de ranger son épée. Et Jésus accepta d'être fait prisonnier afin que ce que Dieu avait dit
se réalise. Oui, que Jésus, le Fils de Dieu, soit livré aux mains de l'homme et qu'il donne sa vie sur la croix pour nous sauver de nos péchés. Quand ces gens emportèrent Jésus avec eux, tous ses disciples qui étaient avec lui l'abandonnèrent et prirent la fuite. J'espère que vous avez bien suivi le morceau d'histoire que nous venons de voir ensemble. Si vous avez bien suivi, vous êtes alors capable de répondre à cette question. Qui a fait preuve de courage dans l'histoire que nous venons de voir? Quel personnage a fait preuve de courage? Alors, est-ce que c'était le disciple avec son épée? Non, ce n'était pas lui. La violence, les amis, ce n'est pas signe de courage. Bien au contraire. D'ailleurs, Jésus va lui dire de ranger son épée, parce que ce n'était pas la solution. Le courage, ce n'est pas être fort ou avoir beaucoup d'armes comme lui avoir une épée. Non, c'est pas ça. Allez, continuons. Est-ce que le courageux dans cette histoire, c'était Judas, à votre avis? Non plus, ce n'était pas Judas. Judas n'a pas du tout fait preuve de courage. Il a trahi Jésus. Continuons. Personnage suivant. Est-ce que c'était les autres disciples qui ont fait preuve de courage selon vous? Non, je ne crois pas. Parce que qu'est-ce qui s'est passé, les disciples? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous fui. Ils ont abandonné Jésus. Et oui, les amis, vous aviez raison depuis le début. C'est Jésus. Jésus est le seul à avoir fait preuve de courage dans cette histoire. En effet, Jésus était dans une situation très difficile et très risquée. Les gens en face de lui, ce n'étaient pas ses amis, alors là, pas du tout. Ils voulaient le faire mourir. Jésus, il aurait pu fuir devant ce danger comme les autres. Jésus s'est retrouvé tout seul, plus personne pour l'aider, personne pour l'encourager. Ses amis l'ont abandonné, mais Jésus, il reste plein d'assurance, il fait preuve d'un grand courage pour accomplir parfaitement la volonté de Dieu, aller jusqu'au bout de sa mission, donner sa vie pour sauver les hommes du péché. Waouh ! Quel modèle de courage, Jésus ! N'aimerais-tu pas toi aussi avoir un tel courage et faire preuve du même courage que Jésus devant les situations difficiles ? Et oui, des situations où on a besoin de courage, il y en a tous les jours. Regardez ces exemples. Il faut du courage pour être différent des autres. Non, vous ne trouvez pas? Par exemple, quand tous tes copains se moquent d'un enfant à l'école, qu'ils disent qu'il n'est pas cool parce qu'il est un peu différent, il faut du courage pour être ami avec cet enfant et l'aimer, n'est-ce pas? Sachant qu'en plus, tes copains, ils risquent de se moquer de toi. Et oui, il faut du courage pour cela. Ou encore, quand tes copains ou tes copines regardent des vidéos qui ne sont pas de leur âge, quand ces vidéos, elles parlent de choses que Jésus n'aime pas, il faut du courage là pour ne pas faire comme tes amis et leur dire que toi, tu ne regardes pas ce genre de vidéos, que tu ne veux pas regarder ça. Et aussi les amis, pour pouvoir toujours aimer Jésus de tout ton cœur jusqu'à la fin, quand tu es seul à l'aimer, on a besoin de courage, oui. Du courage pour dire à tes copains que tu aimes Jésus alors qu'ils ne trouvent pas ça cool et pas à la mode. On a tous besoin de courage les amis, devant les situations difficiles pour ne pas abandonner. Et on a vu tout à l'heure que Jésus, c'est un modèle de courage. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour être courageux comme Jésus? Est-ce que déjà, vous pensez que c'est possible d'avoir le même courage comme Jésus? Eh bien oui, c'est possible. Et comment je le sais? Ben c'est parce que la Bible, elle le dit. En fait, l'histoire qu'on vient d'écouter, elle commence un peu plus haut.
Donc, on va la regarder ensemble et vous allez comprendre que oui, on peut avoir du courage comme Jésus et comment est-ce qu'on peut l'avoir. Comme on a pu l'entendre précédemment, Jésus et ses disciples sont allés dans le jardin de Gethsémané après avoir mangé ensemble ce soir-là. Jésus avait choisi d'aller en ce lieu parce qu'il voulait prier, et c'était dans l'habitude de Jésus de sortir prier dans des jardins. Une fois arrivé dans le jardin de Gethsémané, Jésus s'éloigna de ses disciples pour aller prier tout seul. Jésus ressentait une grosse angoisse, c'est-à-dire une très très grande peur, et aussi une grande tristesse, parce qu'il savait tout ce qui allait arriver. Jésus savait à l'avance que Judas allait le trahir ce soir-là et que l'on viendrait l'arrêter. C'était le moment pour lui de donner sa vie pour nous sauver. Et c'est pour cela que Jésus se mit à prier ce soir-là pendant que ses disciples, fatigués, se sont endormis. Et Jésus pria jusqu'à ce que Judas arrive dans l'histoire d'après qu'on a déjà vue ensemble. Et voilà les amis, voilà d'où vient le courage de Jésus. Le courage de Jésus lui vient de la prière, de ce moment qu'il a passé avec Dieu à prier avant que les moments difficiles n'arrivent. Comment être courageux comme Jésus? Eh bien, les amis, simplement, comme Jésus, prier, demander l'aide de Dieu. Les enfants, ce qui est vrai pour Jésus dans l'histoire qu'on a vue, l'est aussi pour nous, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, dans les situations difficiles où on aurait envie de fuir, d'abandonner, de tout laisser tomber, plutôt que de faire ça, eh bien, on peut demander à Dieu par la prière de nous aider à avoir du courage. Et devinez quoi? Comme pour Jésus, Dieu nous exaucera. Ainsi, on pourra faire face à nos peurs et traverser toutes les situations difficiles auxquelles on peut être confronté. Des situations où on a besoin de courage, il y en a de tout type et de toutes sortes, comme on a pu voir un peu tout à l'heure. Et vous savez, les enfants, si on demande à Dieu de nous aider, de nous donner du courage, eh bien, il nous donnera le courage pour être différent de nos copains quand ils n'agissent pas de la bonne façon. Avoir le courage de ne pas faire comme eux et de pouvoir nous faire ce que on sait que Dieu il veut, que Dieu il aime. Si on lui demande son courage, il nous donnera le courage pour pouvoir demander pardon lorsqu'on n'a pas été gentil avec un copain, lorsqu'on a fait du mal à quelqu'un, et bien Dieu nous donnera le courage de pouvoir demander pardon. Et parfois, c'est à nous que d'autres personnes font du mal. Si on demande à Dieu de nous donner le courage, on pourra pardonner à notre tour si quelqu'un nous fait quelque chose de pas gentil. Et aussi, Dieu nous donnera le courage pour l'aimer tous les jours de tout notre cœur sans avoir honte ou peur de ce que les autres diront. Waouh! C'est trop bien! On pourrait prier pour cela, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je ne sais pas exactement quelles sont les situations où vous avez besoin de courage, mais Dieu, lui, il le sait et on peut lui demander qu'il nous donne d'être courageux comme Jésus et de ne pas abandonner quand on est devant des situations compliquées. Vous êtes d'accord? On pourrait prier ensemble alors. On ferme les yeux, on baisse la tête et on parle à Dieu. Je vais prier et à la fin, on dira tous ensemble Amen. Seigneur Dieu, on est reconnaissant de ce que tu nous apprends ce matin sur le courage.
On est reconnaissant de savoir que Jésus est un modèle de courage et on veut imiter le courage que Jésus il a eu. Et on sait que le courage que Jésus il a eu, il l'a reçu de toi dans la prière. C'est pour cela qu'on veut te demander, oui, à toi notre Dieu, de nous donner du courage pour toutes les situations difficiles que nous connaissons chaque jour. Par exemple, pour t'obéir. Ou par exemple pour être différent de nos copains qui font pas ce que tu veux, ou par exemple pour aimer les autres, ou pour aimer Jésus de tout notre cœur. On a besoin de courage et on te demande de nous aider pour cela. Merci Seigneur, parce que tu nous entends et tu nous donnes du courage comme tu l'as fait pour Jésus. Amen. Amen. Amen les amis. Et avant de se laisser, j'aimerais partager un joli verset avec vous qui nous parle du courage. Et oui, dans d'autres passages de la Bible, Dieu nous parle du courage. Et on va regarder ce verset qui se trouve dans le livre de Josué. Josué au chapitre 1 et au verset 9. C'est Dieu qui parle ici à Josué et il dit à Josué, fortifie-toi. Et prends courage, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Voilà ce beau verset que tu peux déjà répéter après moi, et tu peux le réciter encore et encore pour pouvoir le retenir dans ton cœur et que tu puisses te rappeler devant les situations difficiles que le Seigneur Dieu peut te donner du courage. Allez, là-dessus. Je vous souhaite de passer une excellente semaine, mes amis, et je vous dis à très 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 bientôt. Bonne semaine!